réalisateur Émile Clark, Sarah Clark. To cross. The first one was saying yes to stepping into this mythology and into the footsteps of Cameron, James Cameron, who did the first two wonderful movies. My way of dealing with that was to focus less on the big, huge franchise and more just on the core characters that I got to play with, some of whom I already knew, and some of whom I didn't. And that was the second intimidating thing, was to meet this gentleman for the first time and see if I could bring anything to the table that would work for him and work with him, and it's been a complete joy. So that intimidation went away pretty quickly. That's how I got it. Alors voilà, évidemment que pour moi il y avait deux choses intimidantes, si je puis dire. D'abord, dire oui, effectivement, ce film et toute sa mythologie, parce que James Cameron avait fait un travail extraordinaire sur les deux premiers films. Et donc j'ai décidé de me focaliser moins sur la franchise et davantage, effectivement, sur la relation humaine au sein du film. Et bien sûr, Emilia, je la connaissais, donc pour moi c'était évidemment plus facile. Autre chose intimidante, bien sûr, c'est d'avoir à travailler avec quelqu'un qui connaît mieux que personne ce personnage, ce Terminator, et donc de lui trouver des choses qui l'intéresseraient et qui le passionneraient également dans cette nouvelle aventure. It was definitely daunting to begin with, that's for sure, but that's part of the reason why I wanted to be a part of this project, because I love, as an actor, to be able to kind of push and challenge myself, and what better way to do that than with the mantle of Terminator, the incredible franchise that already existed. But then the joy came when the scripts that we got to work with were so, especially for Sarah, so far removed from the originals in terms of her backstory. So I had ample opportunity to kind of change and sort of have the space and room to grow as myself, the actor within Sarah Connor, and to change slightly what had happened before, whilst maintaining the spirit that Cameron and Linda Hamilton had created with the original ones. Alors c'est vrai que pour moi c'est vrai que c'était assez effrayant comme vous l'avez dit, mais justement c'est la raison aussi qui m'a poussée à être dans ce film, parce que comme actrice évidemment c'est un défi de taille, et de savoir que j'allais avoir comme mentor en quelque sorte Terminator, ça c'était encore plus extraordinaire. Mais la joie vraiment lorsque j'ai découvert le scénario, j'ai vu à quel point Sarah était un personnage complètement différent et que donc j'avais un terrain riche et fertile pour moi en tant qu'actrice d'explorer, de grandir en tant qu'actrice et puis également de lui donner d'autres couleurs, tout en étant bien entendu fidèle à l'esprit que lui avait insufflé Cameron et bien sûr Linda Hamilton. Well, I was very excited when I did the phone call a month after I was finished with my governorship. Megan Allison and David Allison called me and asked me if I'm interested in doing another Terminator movie. And I said, of course, I would love to, but you have to have a great story, a great script. And they told me that they were going to buy the rights to the Terminator franchise, and they want to move forward, and they're excited that they would do it, and they would produce and come up with a great, great story, a great script, and so this is how the whole thing began. And so I was excited to be asked back 30 years plus after the first Terminator movie, and you know, they created a really extraordinary script and hired really talented people. I was so happy when Alan came on board and when the rest of the cast cast, and really the most talented people visual effects wise from the stunt department and all this. So it was very thoughtful. The Allisons were very thoughtful and really wanted to do the best job possible. And so because of that, I was very, very excited being back. Alors voilà, c'est vrai que pour moi l'excitation a commencé quand j'ai reçu ce coup de fil juste un mois après avoir terminé ma fonction de gouverneur. Quand Megan et David Allison m'ont appelé, ils m'ont demandé si j'étais intéressée. Tout de suite j'ai dit oui, j'adorais, mais à une condition, qu'il y ait un bon scénario. Ils m'ont dit qu'ils allaient racheter les droits de la franchise, qu'ils allaient produire et effectivement trouver de grands scénaristes à la hauteur d'un tel défi.
Et c'est ainsi que ça a commencé, 30 ans donc après ma première aventure, et ils ont véritablement réussi à créer un scénario extraordinaire. Et ensuite, ils ont mis ensemble une équipe avec de vrais talents, talents aussi bien au niveau de l'écriture, mais des effets visuels spéciaux, des cascadeurs, et évidemment des acteurs qui allaient m'entourer. Donc ils ont été extrêmement précieux et précis en cela pour moi, et donc ça fait cette aventure m'a rendu très excitante, et donc j'étais contente d'être de retour. I'm easy to work with, but I think that it is a very intimidating thing to do, to step in and to try to continue on with a franchise that is one of the most popular franchises. And so I think that, you know, I've been so pleasantly surprised when I met Alan, because we had a long conversation and Alan, you know, explained to me his vision. And he had a very clear vision, which is the most important thing that you want from a director, a very clear vision. Because when you have a vision, then you don't flip-flop around, you know, should it be a big movie or a little movie, should it be this or should it be that. You have a vision. And so he followed that script and his big vision. And because I think he worked with visual effects and special effects and stunts, and all of those things. So that is extremely important in a size movie like this, because you have to kind of create a synergy and bring all of those talents together. Separately, each talent is good, but you only can be a winner if you put all of them together. It's like a football team or a soccer team or a basketball team. You can have the best players, but if they don't all play together and march in the same direction, you're not going to win. And so the same is with the movie production. It's very complicated. And you know, that you have to deal with all the departments. And Alan had a clear vision. He had the experience how to put them together. And therefore, that's exactly what he did during the movie. And it made us actors, especially me who has done this movie stuff before, just coming into movies, made me feel very at ease. And I felt wonderful throughout the whole production, that I felt like I was in good hands, and there was someone there that showed great leadership, but also was inclusive. So that if you say, well, I don't know, Terminator wouldn't really do this, then you say, well, then how would Terminator do it? Then I would explain it, and they said, yeah, I think we should try this, and we should try this. So it was open-minded. So I think that was the important thing and the whole thing. And so I was ecstatic about, you know, being in this production and working with Alan, but also working with such a great cast. Because Emilia, I mean, after we knew that she's going to be in the movie, I realized I did not watch all of the shows. I watched some of them. I watched some of them, so immediately I asked my staff to get the rest of them, and so that I can watch every night some of this segments, and so I got to really know her performance and what she was all about, and that was really fantastic then to see her transform. That's the important thing, to transform from one character, not just the color of the hair, but the body and the attitude and everything, to be just someone totally different. And that to me was amazing, and the kind of work she put in. And the kind of work that other actors put in there to really be who they were in the movie. So I was delighted with the outcome and working on this movie. I hope this was was wonderful. alors, je dois dire que d'abord, je ne suis pas quelqu'un avec qui il est difficile de travailler, mais c'est vrai qu'il est intimidant pour les autres, finalement, de s'emparer d'une telle franchise, parce que c'était une des franchises les plus populaires de tous les temps. Mais c'est vrai que j'ai été très heureusement surpris lorsque on m'a dit que c'était Alan qui allait réaliser ce film, parce que dès ma première conversation avec lui, j'ai vu qu'il avait une vision très claire, ce qui est extrêmement important chez un réalisateur, car ainsi on ne perd pas le temps à aller de l'un à l'autre, on sait exactement où on va. Et c'est ce qu'a fait Alan, il a suivi le scénario de façon extraordinaire, et grâce à son expérience avec les effets visuels, les effets spéciaux, les cascadeurs, eh bien, il a vraiment amené quelque chose de plus
dans un film qui est vraiment d'une envergure exceptionnelle. Ce qu'il a fait, qui était très important, c'est qu'il a créé une synergie entre tous les talents. Car vous savez, c'est comme dans une équipe de football, de rugby, de basketball, peu importe. On peut chacun avoir des talents merveilleux de façon isolée, mais encore faut-il que l'équipe soit cohérente et regarde dans la même direction pour justement gagner. Donc ici, c'était la même chose, c'était une production extrêmement complexe. Et dès le départ, grâce à l'expérience d'Alonso, avec sa vision, son expérience de nouveau, tout de suite, il nous a fait vivre une expérience commune. Et ça a été pour moi vraiment merveilleux. Je me suis sentie tout de suite entre de bonnes mains, parce qu'il a à la fois le leadership et en même temps la connaissance. Et ça, par exemple, à certains moments, il acceptait complètement que je lui dise « Tu sais, je crois que Terminator ne ferait pas ça. » Et elle me disait « Alors, comment est-ce qu'il ferait ?» Donc, il y avait une ouverture d'esprit, une générosité. Donc, vraiment, c'était pour moi formidable. Et puis, c'est vrai que le cast, tous les acteurs, étaient extraordinaires. Emilia, par exemple, dès que j'ai su qu'elle allait tourner et être, évidemment, Sarah, eh bien, j'avoue, je n'avais pas regardé tous les épisodes de sa série. Donc, j'en demandais avec mon équipe, on en a regardé plusieurs. Et donc, je connaissais son jeu et ses performances avant même d'arriver sur le tournage. Et ce qui était formidable, c'est qu'elle a su transformer le personnage de Sarah. Et je ne parle pas seulement de la couleur de ses cheveux, mais elle lui a donné une attitude, une façon de se mouvoir qui était très différente. Donc, ce qui fait que pour moi, ça a été extraordinaire comme expérience, à la fois grâce au réalisateur, mais aussi au talent qui était autour de moi. Est-ce qu'il pensait à cette époque-là que toute sa vie, il allait faire des films d'action, en quelque sorte? Et une deuxième question par rapport à Pumping Iron, même chose, il n'était pas sûr au début d'avoir envie de faire cela. Well, the Pumping Iron question is very simple. I have retired from bodybuilding competition in 1974, and he came to me in 1975 to do a documentary about bodybuilding. So I said, look, I'm finished with bodybuilding. I'm on to acting now. And so he had to convince me to come back into competition, because that's what the film was all about, is to film the competitors training and then competing at the competition. So that was the only reason why. But other than that, I felt that it was really good that there was a documentary done, because bodybuilding was at that point still a very misunderstood sport. Number two, when it comes to my vision at that point was to use bodybuilding as a means to get into films. And at that point, my goal was limited. It was like doing maybe Hercules movies, to do Conan movies, or movies where I could use my body. After I did Conan and the two Conan movies, I then was asked to play Terminator. And I think this is why I'm very passionate about this project, because it was really for me the opportunity to break through that mold and to do a movie where I do not have to rely on my body the whole movie. There was one scene in there, and thank God I had a body for that scene. But I mean, but the rest of it was all with leather jackets and with clothes and stuff like that. And from that point on, when that movie became successful, it was a breakthrough, and I was offered then, right along with all the other action stars, all of the action scripts. So that was really terrific, and then my career skyrocketed. Alors voilà, donc pour, en ce qui concerne effectivement Pumping Iron, la raison était simple, parce qu'au départ je n'étais pas sûre, c'est que j'avais arrêté la compétition, ma carrière vraiment de compétition en 1974, ils sont venus me voir en 1975, et évidemment comme un documentaire, ça demandait donc que je retourne en compétition, devait donc me convaincre de refaire des compétitions, de me remontrer en entraînement, etc. Donc voilà, c'est la seule raison, sinon c'était un super documentaire, surtout à l'époque, le bodybuilding était encore un sport assez méconnu, donc c'était vraiment pour cela. En ce qui concerne effectivement ce que je faisais dans les années 70, lorsque je faisais du bodybuilding, ma vision à ce moment-là, c'est vrai, c'était d'être dans le cinéma, de me mettre dans le cinéma d'action. Donc c'est vrai que ma vision, mon but était assez limité à l'époque, je pensais à Hercules ou Conan, mais voilà, je pouvais effectivement utiliser mon corps. Mais après deux Conan, on m'a proposé Terminator, et là c'était formidable, parce que ça a été, j'ai enfin pu briser en quelque sorte cette image de moi qui était uniquement associée à un physique, même si dans Terminator, on peut voir dans une scène en particulier que le corps est là et bien présent, mais le reste du temps, j'ai un blouson de cuir, je suis habillée, et donc ça m'a permis avec Terminator de passer à un autre stade et d'avoir une carrière qui enfin allait partir, évidemment, bien au-delà des films d'action. Jouer dans des films d'action, bien en jouer dans des drames, comme dans Maggie, qui est, ça aussi, qui est formidable. Et quelques mots sur son incroyable bague.
Well, for me, it's the same pleasure to do a documentary, to do a drama, to do an action movie, to do a futuristic movie, to do a prehistoric movie, to do a sword and sorcery movie. I mean, the key thing is just that the script is good and that you work with good people, but then it's a great pleasure to do all of them, including comedies or anything like this. I mean, it's the same as like, what do I get more pleasure out of? Eating Wiener Schnitzel or eating Apfelstrudel? both. I mean, you can't compare the two. You get great pleasure out of both. And, the movies, the key thing is that you have the right story and that you feel passionate about. That's the most important thing. So that's about that. And about the rings, where I have one ring, the Terminator ring, and another ring, the governor's ring. So, I mean, which ring you want to talk about? They all have the story. Alors voilà, en ce qui concerne le plaisir, eh bien, il est identique que je fasse des documentaires, des drames, la science-fiction, des comédies, des films de fantasy. La clé, c'est toujours la qualité du scénario et la qualité des gens avec qui je vais travailler. C'est un peu comme de me demander, qu'est-ce que je préfère, manger de la Wiener Schnitzel ou bien de l'Apfelstrudel. Eh bien, les deux, ce sont des plaisirs différents. Ce qui compte pour moi, c'est d'être passionné et justement de vivre des aventures passionnantes. En ce qui concerne les bagues, bien une, c'est la bague Terminator et l'autre, c'est la bague Gouverneur. But that was mainly when we were sort of going through the audition process. As soon as I got the script and saw the differences, I kind of felt it was probably most helpful for me to stop watching those and start trying to kind of create my own Sarah Connor. Lena and I did have many a funny discussion. David and Dan, the showrunners on Game of Thrones, are still keen for us to have a fight. I'm not sure we will, but that's about the extent of it. Alors voilà, c'est vrai que effectivement, dans la période de préparation du tournage, j'ai regardé les deux premiers films, évidemment, de Terminator, mais c'était vraiment pendant qu'on auditionnait. Et lorsque j'ai reçu les scénarios et que j'ai vu les différences énormes qu'il y avait entre les deux Sarah, en quelque sorte, j'ai arrêté de regarder ces films pour justement m'approprier moi-même ce personnage et créer ma propre Sarah Connor. Et en ce qui concerne Lynn, c'est vrai qu'on a ri beaucoup au départ. Et David et Dan, qui sont les showrunners de Game of Thrones, et sont encore en train de dire, mais il va falloir une bataille entre vous deux, mais je ne suis pas sûre qu'il va gagner. Because what's interesting here is that what training did she need to do to change from the character of Game of Thrones to the Terminator movie to the character Sarah Connor? Mm-hmm. Because there was a lot of, I watched personally, a lot of training in many different areas that went in the public. That's always this legacy. Alors voilà, Arnold Schwarzenegger se fait journaliste pour nous. Il dit voilà, moi j'aimerais bien que tu nous parles de tout l'entraînement, de la transformation physique pour passer effectivement de Game of Thrones à justement Sarah de Terminator. Parce que Arnold dit, moi j'en ai vu hein, des entraînements et celui-là franchement formidable. Yes, well, Arnold, to answer your question. Sarah Connor has a lot of guns. Daenerys Targaryen does not, so I did a lot of gun training, that was one of them. And then in doing that, I realized that I wasn't quite strong enough to carry said guns for 22 takes, uphills and firing grenade launches. So I had to do some strength training to get my body in the place that it should be for Sarah to be able to do the best badass job that I could. That maybe on Game of Thrones I kind of get to sit back and watch my dragons do the hard work. Did you do any changes? Yeah, I did. I absolutely did. I definitely, apparently, muscle is built from protein, so that was an injection into my diet. You write that down. and just generally having enough energy to last our filming days, which were incredibly long and incredibly physical. Watching what I was eating in terms of that kind of helping was another big change. Alors voilà, c'est vrai que mon personnage, c'est vrai, Daenerys, c'est bien elle est plutôt habituée à manier l'épée, donc je dois dire que je n'étais pas très habituée à manier effectivement les, les,
les pistolets, les armes à feu. Donc ça, je me suis aperçue qu'en plus, je n'étais pas assez costaud pour même pouvoir soulever parfois certaines armes à feu qui étaient extrêmement lourdes. Donc j'ai dû vraiment, en quelque sorte, me renforcer musculairement pour avoir le corps et la force de Sarah Connor. Puisque de toute façon, Damaris, c'est plutôt les dragons qu'elle laissait faire quand il y avait ce genre de choses. Alors, Arnold, est-ce que tu as également dû faire d'autres choses, en particulier en termes peut-être de diète, autre chose comme ça? Et oui, en fait, j'ai dû, pour avoir construit, avoir plus de muscles, effectivement, avoir un régime très protéiné pour garder l'énergie, pas seulement pour grossir mes muscles, mais aussi parce que les jours étaient très longs, les jours de tournage étaient très longs, très physiques, donc il fallait vraiment que j'ai un régime adapté qui me garde en pleine forme.